Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inscription Cases Mod, épisode 5 aujourd'hui, et on va prendre aucun nouveau deck qui a été débloqué, donc on va prendre le deck High Cost et on va mettre un niveau de défi un peu élevé. Voilà, ce sera très bien comme ça. Donc pas de type et scale, mais des totems au niveau des boss et la rupture de stock. Qu'est-ce que c'est la rupture de stock? C'est le défi qu'on avait débloqué au dernier épisode qui fait qu'on n'aura aucune carte rare quand on vaincra des boss. Donc, première chose qu'on va faire, c'est aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la peinture. Il nous faut un chat et un wapiti. Et on va essayer de les trouver du coup, si ça peut... Ça peut nous arranger. Donc on a déjà un wapiti, on va le prendre. On a également un cafard. Le cafard avec l'immortalité que je vais pouvoir mettre sur la chèvre noire. Ah, sac à dos. Toujours utile. Ça, c'est bien vrai. Toujours utile d'avoir des nouveaux items. Cependant, rien à foutre. Chèvre noire, tu vas me permettre de placer un élan. Voilà. Et ce sera très bien comme ça. C'est le sapin qui va tanker. J'ai aucune autre bonne carte à débloquer, donc je vais piocher des écureuils. Et voilà, on est très bien comme ça. Ok, des mulots, ça peut nous être très utile. Si par exemple je mets sur la chèvre noire, non c'est faux, au cafard sur la chèvre noire. Les mulots, on pourra essayer de les buff comme qu'on avait fait dans un épisode précédent. Voilà, je pense qu'on va se diriger vers les flammes. Regarde mon totem. Il accorde à mes loups la capacité de vol. C'est vrai que c'est du vol là. Oh merde. Ça n'a servi à rien. Oui, mais on va en consommer ça. Et on va aller tuer ce louveteau avant qu'il devienne dangereux. Ok, le wapiti. Ça veut dire qu'ici, il y a notre chèvre noire immortelle. Je vais pas utiliser mes items, je pense qu'ils sont très bien pour l'instant. Non, non, t'abandonnes que dalle. Je veux des dents, moi. Oh. Tu te calmes. Ok, là, ça va faire 5 dégâts. Là, du coup, c'est quoi? Les mulots, ouais. 5 dégâts, et ensuite, on va essayer d'obtenir quelques dents en plus. De cette façon. Comme ça, on a 6 dents en plus. Ok, allons rendre visite aux mineurs. Non, je ne m'appelle pas Norman. Une ruche. Super. J'adore cette créature bizarroïde. Elle va largement me servir dans ce mode de défi. Bon, flamme. Qui va-t-on soumettre aujourd'hui à l'épreuve des flammes? Je pense que c'est l'occasion. Alors, du coup... Non, non. Je vais... Si, si. Ah. Comment faire? Ok. On va dire la carte avec le plus de dégâts et la plus à gauche sera soumise à l'épreuve des flammes. Et si elle survit, on passe à la suivante. Voilà, comme ça j'ai pas de contrainte de choix. Ça m'arrangera bien, mais obligé d'aller sur les flammes quand c'est nécessaire. Voilà. On va faire ça, ça sera très bien. Hop là!
chèvre noire immortelle, c'est génial. Ceux qui osent dire le contraire sont des menteurs, tout simplement. Comme ça, on perd rien. L'eau à pitié a les points de vie pour tanker. Ok. Bah c'est suffisant. Mince, j'aurais pu faire encore plus de dégâts. Bon, on s'en fiche. C'est pas grave. Une antilope. Ça sera intéressant à mettre sur mon élan, ça. Alors, preuve des flammes pour toi. Adios. Et maintenant, le sacrifice. Donc l'antilope. Quoique je pourrais mettre la taupe. Non, je déconne. Mais en fait, peut-être que si. Non, non, non. Dégâts, dégâts, dégâts. L'antilope, elle sert à que dalle, on n'a pas envie de la garder. La taupe, à la limite, elle peut temporiser. Puis on peut pas toujours exploiter la feature du jeu qui permet d'avoir une carte à un d'élixir en première main. Du coup, et en plus on a une ruche, tu vois. Qui m'a donné une abeille. Un gros sacrifice. En plus de tanker. Hop là. Je sais pas si on va réussir à tuer la mule avant la phase suivante. Il n'en voit plus rien là? Ah si. Moi j'ai eu peur qu'il n'en voit plus rien. Ça m'aurait presque inquiété, tu vois. C'est pour avoir moins de... pépite d'or à la phase suivante. Quoique ça n'aurait rien changé, mais au moins j'ai un emplacement libre pour pouvoir faire 10 dégâts d'un coup. Let's go! Maximum de dégâts là! À la limite un opossum, non je déconne. Le coucou. Faut voir sur quoi on va le mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Quelle carte vas-tu nous proposer aujourd'hui? Une chèvre noire, évidemment. Mais oui, monsieur. Je veux bien que tu repeignes ma carte au plus gros dégâts. Et comme c'est une nouvelle carte, elle sera soumise à l'épreuve des flammes aussi. Ou pas.
Un loup géant. Épreuve des flammes. Et maintenant, c'est toi. Dommage. Du coup, pas besoin d'aller à la fusion finalement. Tant que j'ai des départs comme ça, tout va bien. Hein. En soi. Prendre les cartes à 1 parce que les cartes à 2 il peut proposer vraiment du nawak et ça peut me porter gros préjudice. Alors ma carte la plus puissante, bah c'est le loup géant, il fait 4 dégâts mais je lis que ça, donc c'est mon rat, il fait 4 dégâts maintenant. Flamme là-bas, on ira. Il faudra qu'on dépense nos items aussi. Parce qu'on va en avoir de nouveau. De nouveau l'anti-cheat. Pas du tout. Un coucou. Ce pauvre oisillon n'avait aucune chance. C'est vrai. Bon. Je peux pas laisser Swapity évoluer, ce serait beaucoup trop dangereux. Maruche, super. Je crois que le coucou, c'est la première fois qu'on le voit dans mes vidéos. Je suis pas sûr. Mince, j'ai oublié d'utiliser mes items. Non. Je n'ai utilisé qu'un seul et il m'en a redonné un autre. Ah, oh, c'est absolument terrible. Je vais avoir un nouveau rat sac à dos. Insecte. Insecte, valeur sûre. À part The Ringworm. Toi. Waouh. Ça, c'est super. Je suis très content de ce qui vient d'arriver là. Ça, je suis moins content, mais c'est pas grave. On fera avec. Puis ça peut toujours servir, hein. On se rappelle qu'on a une chèvre noire immortelle. Oh non, c'est la chèvre noire pas immortelle. Aïe 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 aïe. Et ce totem accorde les piquants à ses unités de type lézard. Ma carte va mourir avant d'avoir pu me fournir une fourrure. Triste sort. Ok, rat sac à dos. Fournis-moi un nouvel item. Un écureuil. Ok. Il me faut une nouvelle carte. Ok. On va tempo avec un rocher là. Je suis foutu. Oh non!
recommence. Deuxième chance. Peut-être qu'on avait juste mal joué. Cette fois, c'est la bonne. Enfin, j'espère. Il me fournit pas les mêmes cartes. Ça a l'air d'être de la triche. Bref. Wow! Il se déplace deux fois, lui. Dangereux, ça. Non, c'est absolument terrible. Ok, phase suivante. Ok, ça ira comme ça. La grenouille taureau va tuer l'opossum et ensuite on va pouvoir faire 10 dégâts au total. Y a pas de souci. J'aurais peut-être dû consommer ce rocher qui est un très mauvais item à garder. Mais bon. Qu'avons-nous là? Un taureau sauvage. Ok. Les flammes sont en haut. On va pouvoir s'accorder un sacrifice. Et je propose de sacrifier le rat sac à dos. Ou alors je sais pas quoi. On va bien voir. Déjà, est-ce que on a une possibilité de perdre ça? J'ai un peu trop de cartes là, ça. Ah, sa mère. On aurait tout perdu. Ah non. Oh. Hop. Mettre des mulots sur les asticots, ça me donnera plus de puissance. Je peux mettre le rat sac à dos sur la taupe. Je peux mettre des asticots sur les mulots. Ça semble pas tellement illogique. J'avais aucune idée de quoi faire comme sacrifice, mais ça le fait quand même, on va dire. Il aura une queue à gros sacrifice, mais on pourra pas l'utiliser. Ok, c'est un wapiti à gros sacrifice maintenant. Et on a intérêt à l'utiliser. En tant que sacrifice. Pour éviter l'arrivée de mauvaise surprise. Le combat ne s'éternise. Le combat ne s'éterne. Le combat ne s'éternisera pas en ma présence. Et surtout en la présence du bougeon. Qui fait 8 dégâts au total. 4 dégâts deux fois.
grâce à sa double attaque. Ok, qu'allons-nous pouvoir récupérer comme nouvelle carte? J'ai hâte de gagner ce défi, enfin c'est truc de dingos quoi. Ce petit Doapity est pas nul à chier. Mais le roi des rats fait plus de dégâts. Ok, épreuve des flammes, ce sera au tour du taureau cette fois. Ok. Combat. Ah, Tibidoc. Je vais vouloir jouer le loup géant un peu vite. Non! Oui. Cet taureau sauvage n'a aucune chance de survie. À moins qu'il en ait une. Ah, je peux faire 5 dégâts. C'est ce qu'on va faire, je pense. En volant. Boum. Ok, qu'allons-nous pouvoir obtenir comme nouvelle carte? Espèce. Ouf. J'avais peur de devoir ajouter encore une nouvelle carte. Des cœurs. Épreuve des flammes pour la carte avec le plus de dégâts actuellement. On va pas se mentir, c'est le roi des rats. On va prendre le rat sac à dos puisque c'est la plus à gauche. En fait, c'est celle-là. Avait des champignons. Je regrette tellement de m'être imposé un défi. Mais bon, au moins maintenant on a. Comment s'appelle la carte? Le compte carte. Ouais, on a un compte carte qui peut survivre au moins un coup. Ça va grandement nous aider, je pense, surtout sur le combat final, là où il va être très utile. Enfin, j'imagine. C'est peut-être pas vrai. Les cloches. Ça m'avait condamné la dernière fois. Ok. Tu es une de mes meilleures cartes. Bah oui, 8 dégâts. Là, c'est 10 dégâts. Donc c'est mieux. Bah, on copie la meilleure carte. Waouh! Ça, c'est cool. Mais on va immédiatement la soumettre à l'épreuve des flammes, puisque c'est celle qui a le plus de dégâts. Et qu'elle est nouvelle. Survie, s'il te plaît. Oh, sa mère. Je suis dans le mal, elle était si bien. Une odeur putride te donne un haut-le-cœur. Plié en deux par le dégoût, tu vois une botte pleine de boue entrer dans ton champ visuel. Tu relèves la tête et aperçois une silhouette démesurément grande. Poisson sur toi. Non, pas de poisson, non. Oh non! C'est juste pour avoir plus d'os. Je sais que c'était pas nécessaire. Mais force d'habitude.
Pas besoin de dents en plus cette fois. Ok. Un cafard. Mais oui, monsieur. Je le veux. C'est un super cafard. Oh, on y est déjà. Alors, qui aurait besoin d'un cafard? Le loup géant, je pense. Ou une autre chèvre noire. Ce qui pourrait grandement nous aider, mais... Non, loup géant. Vas-y. Je compte sur toi pour nous assurer la victoire. J'espère avoir parié sur la bonne carte. Ok. Ce que je propose, c'est de faire ça. Voilà, 4 dégâts. J'ai fait une erreur, je pense. Oh, yo 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 yo. Oh yo yo. On va recommencer ce combat. Ok, cette fois on va commenter nos décisions avant de les faire. Et comme ça on est sûr d'avoir tout réfléchi à l'avance. Et bah la main de départ a changé, donc la victoire est assurée. C'est con de tricher. C'est très con. Mais c'est comme ça. Oh, il nous met même pas de... Oh, le relou. Il essaie même pas de bloquer les dégâts. Il sait déjà qu'il a perdu. C'est... truc de dingos. Super. Super aussi ça. Non, je suis trop bête. L'élan, j'avais oublié. Là, je vais poser une ruche pour pouvoir faire plus de dégâts. Yes. Du premier coup. C'est faux. C'est absolument faux. Victoire. Ok. Je suis accro à la version d'inscription de Leshy, mais elle est loin d'être parfaite. Il y a plein de trucs qui sont complètement cheatés. Mes Ouroboros sont plus de 100 PV et de puissance grâce au combo avec l'emblème fécondité. C'est n'importe quoi. C'est décidé, je vais travailler sur l'équilibrage du jeu et peut-être ajouter un peu de défi. Je vais créer ma propre version du jeu. J'espère que ça va plaire à Leshy. Et j'ai débloqué le verre de farine. Donc sacrifier verre de farine ajoute ses statistiques à la carte jouée à sa place. Et ça, c'est un symbole que j'aime bien transférer sur des cartes qui ont des dégâts, puisque les dégâts sont passables. Et on a débloqué un nouveau deck de départ avec Monty's God. Ça va être sympa pour le prochain épisode. Et on a un nouveau défi. Difficulté accrue, les créatures ennemies sont plus puissantes et en plus grand nombre, plus 15 points de défi. Ça, va falloir qu'on le joue aussi.